Mesdames et messieurs, amis babinautes, bienvenue dans la lucarne de notre CAN. Des élèves et étudiants ivoiriens résidant à Dakar au Sénégal ont été victimes d'agressions suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Sénégal lors du match des huitièmes de finale qui s'est tenu ce lundi 29 janvier 2024 au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Mais ces scènes de violence n'ont pas enregistré de décès, mais l'information a été rendue publique par l'amicale des élèves étudiants et stagiaires ivoiriens au Sénégal dans une note consultée par Abidjan.net ce mardi 30 janvier 2024. Selon le communiqué de l'amicale signé par son président Élisée Bleu, les témoignages recueillis par les personnes présentes ou victimes d'agressions ont été confirmées comme authentiques. De même, il ajoute que notre visite dans l'hôpital Fon, mentionnée à plusieurs reprises dans les médias, n'a pas révélé la présence d'un patient ivoirien décédé ou blessé dans le cadre de ces incidents. L'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal poursuit donc ses démarches investigatrices auprès des établissements hospitaliers pour obtenir des informations pertinentes, a indiqué le communiqué. Poursuivant, l'ambassade a lancé un appel solennel à tous les élèves et étudiants résidant au Sénégal et aux Ivoiriens en général, afin qu'ils maintiennent leur sang-froid et évitent toute escalade de tension, rejettent toute tentation de représailles et priorisent leur sécurité en respectant scrupuleusement les directives émises par l'ambassade. Pour ne rien rater de notre actualité, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et X.